Bonjour à tous. Bon, je suis avec Pool Service 86, Florian. Donc, on vient d'installer sur ce local technique un UVLS, donc un aquarique UVLS, à pompe à vitesse variable. Et oui, on arrive à s'entendre. Et en plus, on ne consomme pas. C'est ça qui est bien, c'est que là, on est sur une consommation moyenne de 108 watts. Donc UV qui fonctionne, on a ici l'écran qui est ici, voilà. Et du coup, on a voilà, l'installation qui est là, voilà, comme le bypass qu'on a prévu pour la pompe à chaleur, les sons qui sont bien juste après le filtre, et on a les valeurs qui sont pas trop mal. On n'est pas en production parce que justement la consigne est inférieure à la mesure. On a 7,6 pour 7,5, donc il est en weight, donc on est sur une régulation proportionnelle, et le bassin est à 27 degrés. D'ailleurs, le bassin, on va le retrouver ici. Voilà le bassin qui est sous abri. Et donc, on va justement voir qu'est-ce que ça donne un 1200 tours, sachant qu'on a mis un skimming à peu près. Et voilà, on a un petit remue très léger. Voilà, comme on peut voir là, on a trois buses au refoulement, un là-bas et un là-bas. Et donc, on est sur deux skimmers à profond. Et on a mis un skimming à peu près de 5 minutes toutes les heures. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, allez, on va avoir 800 watts de consommation de 2 heures par jour, quoi. Presque, à peu près ça, quoi. Donc voilà. Donc le but, c'était de vous faire encore vous montrer une expérience. Et Ward. À bientôt!